prochain. Et pour la Citroën Rosalie 4 des records, Vincent Marion, là ça va nous permettre de parler de ces records, de ces innombrables, de ces centaines de records qui étaient battus à l'époque. À 1934 pour Charles Petruccelli, c'est une Aston Martin Mark II Sportster châssis court. En 1935, on a plusieurs voitures de cette année-là. De Laurent Schneider, une Ride Club, il s'agit de la voiture de Marc-André Schir, une Aston Martin Martin Roadster également, celle de Philippe Lanternier, MGPA Midget de Pierre Julien, une Ride Eddie Sprite, celle de Tamo Voigt. Une voiture de 1936, la Riley 12-4 spéciale de Thierry Leroy. 1937 pour la Talbot Lago d'Andreas Mayer. Pour la Riley Sprite de Simon Calloway. Pour la Tenaille 536 de Vincent Turner. Certains sont restés des journées entières à tourner sur cette piste pour battre des records. Il va aller sur la piste de la 38 de l'année 38 avec la HRG 500, de la Jag Écurie et de la Morgane 4-4. Pierre Augustin Boulot, voilà pour ce sommet plateau avec CBT qui nous arrive en direct des années 20. Le SAR numéro 22, Philippe Jaillon, qui monte en piste. C'est l'avant-dernier à monter en piste ici dans cette série avant-guerre. Numéro 7 pour la Talbot Lago T120C de Laurent Schneider qui fait son apparition également. Montée en piste du Dossard numéro 21.
les deux versions de Dan, 1580 à 1500, on retrouve celui qui est en train de Paris, qui est en train de TD, sur 800 km. Camille, on est dedans, des marques aussi prestigieuses. C'est trop bas, et après c'est trop haut, parce que là je pense que c'est pas mal, mais il n'a pas d'expérience.